un beau petit mosquit de 30 pouces. La première affaire qui est venue m'attaquer. Fait que essayer de remettre ça à l'eau, ce sera pas long. Il y a une belle petite bête là. Yes sir! Bon, ben, en attendant qu'elle reprenne du souffle un peu. Il était parti une première fois, mais oh! Hein? Il voulait partir une première fois, mais il a viré de bord, il l'a repris. On va essayer de... Il en ramène un peu. Peut-être qu'il va être bon, on va repartir. J'espère. Un moment donné, on va attendre, on n'est pas pressé, il fait beau. Tu es supposé mouiller, mouille pas. On va aller pêcher du doré. Mais lui, il voulait pas. Hey! C'était le fun, hein? Pas de casse-ligne, rien, là. C'est tout un coup de soyez mollo avec ça, mais... Non, il va-tu y aller? Non, tu pètes. Allez, tu fais toilette. Une belle bestiole. Il y a des petites marques d'attaque. Ah ben, je suis content. Il y avait pas de morceau à choisir. Je dis, ah, es-tu trop riche en gaz? Mais là, ben, ça a l'air. Non, mais là, on doit. Tiens. Hein? Il va avoir la force de repartir. Let's go. Ah ouais, vas-y, madame. Hein? Ah, ça fait 3-4 minutes. Ah ouais, là. Un petit coup, mon pète. Vas-y. Là, je le tiens plus. Je vais pouvoir se maîtriser de même. Est-ce qu'on va voir? Toute la ligne latérale. Ça repose. On va se replacer. Mon dieu, il va décoller. Si il décolle pas, je vais organiser ma puise tout de suite pour la reprendre. On check ça, allez. Il est parti dans le milieu du fleuve, ben pas du fleuve, ici de la rivière. Puis il vient d'en venir à côté de moi. Regarde, mon pied est là, je suis à la roche là. Il est là à côté de moi, puis c'est pas mal là, il vient pour moi m'entendre, là il s'en va là. Mais il était dans le milieu, il est parti en danger dans le milieu, là. Puis regarde, il reste là, il est sur le bord. Il est complètement sur le bord, là. Il est toujours à 3-4 pieds de moi. Spécial. Là, je viens de pogner un saut. Je me trompe pas là, c'est un crapet de roche. Je pensais que c'était un bébé doré. Moi, c'est un petit crapet de roche. Yeah.